Mystéro, hey, Mystéro, c'est un man, ok. Mystéro, ha, Mystéro, hey, Mystéro, oh, oh, show. Mystéro, hey, un man, ok. 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 Mystéro Show Wanted Radio, le lundi, comme d'habitude, tranquillement, c'est Caraïbes. De 18h à minuit. À 21h, Mister O Show. Ce soir, nous avons décidé de partir à la campagne tranquillement manger de jolis mangos et puis se balader. Et oui, ce n'est pas Basse-Pointe, ce n'est pas le Lorrain, ce n'est pas Sainte-Marie, c'est au Marigot que ce jeune homme est né. Il a vécu un certain temps à la Martinique, tranquillement installé. Et pour elle, il aurait pu se mettre dans un transat, il aurait pu se mettre aussi au calme, près d'un avocatier, tranquillement manger un fruit à pain. Il a décidé d'être lyonnais pendant quelques années, de partir en métropole pour pouvoir balancer son flow et son lyrics qu'il avait déjà commencé depuis tout petit là-bas à mettre en place. Puis en 2010, se dire « Paris, c'est à moi ». Avoir son propre label et égrener les titres, les featuring, les solos, les duos, les productions. C'est un florilège. Vous allez avoir le loisir et le plaisir de voir ce monsieur avec vous pendant un certain temps. Et nous avons choisi pour vous 11 titres. Monsieur Kako est là pour nous. Mister Osho Wanted Radio, Scooby Trust, Romeo, toi-même tu sais. Comment ça va, Monsieur Kako? Ça va et toi? Bah, en pleine forme. Alors, comment ça se passe pour toi en ce moment? En ce moment, c'est cool. Hein. Je sors de la Jamaïque. Oui. Donc, retour sur Paris dans le froid. Tranquille, ça se passe. Et puis, c'est vrai que tu es auteur-compositeur. Je sais que tu as des beatmakers, mais je sais que tu écris tous tes textes, que tu les écris en créole 90% du temps. Ouais. Il y a quelques phrases en français, mais la plupart du temps, c'est en créole. Ouais, la plupart du temps. Ouais. Tu as fait quand même maintenant 14 ans que tu es en métropole. Ça va faire 9 ans que tu as ton propre label. Tu as prononcé le nom de ton label, parce que c'est... Comment il s'appelle ton label, dis-moi? Il s'appelle Maricolcha, donc c'est... Enfin, ça veut dire culture du marigot. D'accord, voilà. Dit, Marie, marigot et colcha, ben, en mode... patois jamaïcain. Colcha. D'accord, Maricolcha, voilà. Je voulais pas le déformer. Ça fait quand même bientôt 9 ans que son label existe. 2010, on est dans la 9e année. Les projets sont assez intéressants. Quand tu as décidé de créer ta propre structure, c'est parce que je sais que tu étais quand même avec des personnes qui étaient avec toi, qui t'accompagnaient, tu avais des bonnes prods. Quand tu t'es dit, voilà, je vais sur Paris, depuis 9 ans, je suis sur Paris et je décide de créer mon propre label. Ça t'est venu comment? Ben en fait, à l'époque, je bossais avec un Guyanais qui s'appelle Mistachab, qui avait un label qui s'appelait Biwa Prod. Et en fait, lui, il est retourné en Guyane. Du coup, je me suis retrouvé un peu seul. Et avant qu'il parte, en fait, je lui ai demandé des conseils au niveau du tout ce qui est ingénieur du son, au niveau mixage. Je lui ai demandé plein de conseils et du coup, voilà, ça a donné ça. J'ai voulu créer mon propre label et puis c'est parti comme ça. En plus de ça, on sait que tu fais tes propres clips, que tu es réalisateur, tu joues dans tes clips, ouais. Tu choisis de charmantes dames pour faire aussi les clips. Il y a certains titres qu'on connaît, voilà. Ouais. Ou bien des certaines vedettes, comme quand on voit le fameux Charlot, hein, Charlot et Charlotte, quand tu as pris, c'est le terme, disons. D'où parce que il est pas, il s'appelle pas comme ça réellement. Non. Il s'appelle bon, je dirais pas, mais tu peux dire, vas-y, hein. Il s'appelle Salope et Salo, et du coup c'est un pote, il m'a dit faut changer le titre, ouais. Tu vois, et du coup j'ai cherché un terme qui allait bien, donc j'ai appelé Charlotte et Charlot. Ouais. Et puis t'avais Gilles qui était là, et Gilles Saint-Louis qui, oui. Il était pas encore trop connu à l'époque, ouais. Mais j'aimais bien ce qu'il faisait aux Antilles quand je suis allé en vacances. Et puis je l'ai invité à venir montrer ses talents dans le clip, ses talents d'acteur. En plus, c'est ton deuxième album qui est sorti en 2018. Tu avais sorti un premier album en autoprod. Ouais. Tu as sorti des mixtapes depuis 2005, même 2008. Tu sors des titres sans arrêt, entre autres. Qu'est-ce qui te donne
cette influence, parce que bon, après tu parles, tu es allé en Jamaïque, tu fais du dancehall, c'est vrai qu'aux Antilles c'est pluriel, hein, là, on est à carrefour de multiples musiques. Qui t'a décidé vraiment de tomber dans le dancehall, reggae dancehall alors? C'est pourquoi? En sachant que tu fais d'autres titres, mesdames et messieurs, pardonne-moi, vous allez voir, hein, l'année dernière, ou même en 2018-19, il a flirté avec d'autres styles. Mais vous allez voir, on va le dire doucement dans l'émission. Ouais, le dancehall, bon, c'est venu comme ça. Hein. Depuis les Antilles, mon frère, il écoute ça dans sa chambre. Ouais. Et puis, à la base, j'ai commencé à chanter aussi parce que dans mon lycée, enfin, j'étais au lycée de Sainte-Marie au début. Ouais. Et en fait, il y avait des artistes à Sainte-Marie. Et du coup, ils avaient fait un son qui parlait de Sainte-Marie. D'accord. Et du coup, comment dire, les gens de Sainte-Marie nous narguaient, on disait au Marigot, il n'y a rien, il n'y a aucun artiste. Ouais. Et puis je me suis dit, mais c'est vrai qu'en dancehall, il n'y a personne, quoi. Ouais, je Donc il vois. fallait représenter. Et comme j'aime beaucoup ma commune, Ouais. donc du coup j'ai voulu représenter en musique, quoi. Puisque je représentais déjà en basket, puisque je faisais du basket avant. Ouais. Et j'ai un attachement à ma commune. Puisque souvent on est, comme tu disais tout à l'heure, on est des paysans, on traverse la ville, on dit que c'est un virage. Et dans le sport, je me suis battu pour ma commune et j'ai voulu me battre aussi dans la musique Bien pour ma sûr. commune. Il faut Donc savoir, hein, voilà. moi c'est côté paysan, mais la terre, le sens de la terre, le sens des traditions, parce Yeah, man. que c'est une très belle commune, le Marigot, hein, c'est une belle commune, donc là, vous allez découvrir. Et là, c'est vrai que c'est un hit pour toi, on va commencer par un hit, Ouais. parce que c'est vrai que tu en as fait pas mal de titres avant. Ouais. Là, on commence sur La Table, qui date de quelques années maintenant, 2011. c'est ça, et qui effectivement est celui qui a Ouais, montrer ton qui talent. a. Même si on savait qui tu étais, tu t'appelais Kako à l'époque, Ouais. t'as rajouté Missier Kako. Et sur la table, alors tu l'as écrit comment ce morceau? Je l'ai écrit en 20 minutes, déjà. Oui. En 20 minutes, et c'est venu d'un coup comme ça. L'anecdote, en fait, c'est avec des amis, on allait à l'événement sur Montpellier qui s'appelait Sea Sex and Sun. Oui. Et on avait un petit groupe sur Facebook, on discutait, et puis j'ai une amie, ma meilleure amie, qui a mis dans le groupe. On n'emmène pas de soft. Et au même moment, en fait, j'avais l'instru dans mon casque, parce que D'accord. j'écrivais souvent dans le train. Oui. Et ça m'a donné l'inspiration. Ça m'est venu comme ça. J'ai dit, et à la base, moi, je ne suis pas un grand buveur, en fait, à la base. D'accord. Donc j'ai dit, comment ça, il n'y a pas de soft? Et puis je me suis dit, ah, je vais faire un son qui parle de ça. Oui. Et quand je suis rentré chez moi, j'avais le matos, j'enregistrais direct en 20 minutes. Et j'ai envoyé ça à mes potes, et ils ont kiffé. Et c'est la réaction de mes amis, c'est là que je me suis dit, il y a un truc. Ouais, Parce je que vois. d'habitude, ils écoutent, ils disent, ah, c'est bien, mais sans plus. Ouais, je vois. Mais là, ils ont écouté, mais il y avait quoi? 3 jours, l'événement, c'était sur 3 jours. Ouais, les fameux, je connais, c'est bon, Et c'est moi. du matin au soir, ils écoutaient le son. Pendant les 3 jours, ils étaient à fond sur le son. Et je me suis dit, il y a un truc, c'est pas possible. Et puis ça a donné ce que ça a donné, et puis voilà. Eh ben, mesdames et messieurs, pour ceux qui connaissaient pas Missier Kako, ceux qui connaissent Missier Kako, ils savent très bien qu'il a un flow et une verve que nous allons découvrir dans les 11 pépites que nous allons présenter pour vous, là, sur la table. Revenons en 2011. Missier Kako, Wanted Radio, Mr. O Show. Dwen a goto sakrize men mafyo. Ape le news mafya. Ape msou konet fè a yo wakye mafyo. Mafyo, wakonet mwen se. Ape wè se ki moun e. Fò, male gay fè ya. Male la pase an soare. Ape wote gen soare la. Mante di ou ka mante karete bre. Wote pou mè sa. Mwen sepleman e pe kay mise sa mise di mwen. Sa di dou lan. Ya di wòm sou la table, di whisky sou la table, di cheval sou la table, di ponche sou la table, di Coca-Cola. Ya pata sou la table, di Royal Soda. Ya pata sou la table, ya di wòm sou la table, di whisky sou la table, di cheval sou la table, di ponche sou la table, di Coca-Cola. Ya pata sou la table, di Royal Soda. Ya pata sou la table. Ni chi, pase ni yanye pou se vikras. Mwen di kom mwen mise se yon kamikas. I pale mwen ritouve chime la kas. An pi se fe mise ya pi ou ki devas. Sa pa posible. Sa horrible. Fe yon koutze a dan frijide. Le fre, je ki la bie. Mwen ki te ti madame mwen man karete bre. Ya di wom sou la table. Di whisky sou la table. Di champagne sou la table. Di ponche sou la table. Di Coca-Cola. Ya pasta sou la table. Di Royal Soda. Ya pasta sou la table. Ya di wom sou la table. Di whisky sou la table. Di champagne sou la table. Di ponche sou la table. Du Coca-Cola, y a pas ça sous la table. Du Royal Soda, y a pas ça sous la table.
bouteille ne son. Les gars ni hôte, yo j'allais mettre moun cochon. Ça qui pète cabré, ça qui dead à terre. Moi même qu'est-ce qui fait mon café en coup tacté. Mais qui ça les gars ouais mwen kakoui. Donc yo c'est vivement modèle de fer rempli et puis whisky. Yo dit mwen bret tout, pas laisser yon goutte. En pani l'auto pour dire les bougats à les mankai prend la route. Du rhum sous la table, du whisky sous la table, du champagne sous la table, du punch sous la table, du Coca-Cola, y'a pas ça sous la table, du Royal Soda, y'a pas ça sous la table, y'a du rhum sous la table, du whisky sous la table, du champagne sous la table, du punch sous la table, du Coca-Cola, y'a pas ça sous la table, du Royal Soda, y'a pas ça sous la table. Tête mwen ka tourne, et faut me rentrer la caille mwen. Maman savent qui disent qu'elle manquait pas madame mwen. Manque dit que c'est mafio qui force mwen. Déjà avant aller coucher, en tic-tac pour l'odeur on me l'en dégage. Et si j'en mets des mêmes matins, il est fâché. Manque dit c'est pas faute mwen. C'est que à deux soirées mafio va t'aider j'y mets. Y'a du rhum sous la table, du whisky sous la table, du champagne sous la table, du punch sous la table, du Coca-Cola, y'a pas ça sous la table, du Royal Soda, y'a pas ça sous la table. Y'a du rhum sous la table, du whisky sous la table, du champagne sous la table, du punch sous la table, du Coca-Cola, y'a pas ça sous la table, du Royal Soda, y'a pas ça sous la table. Y'a du rhum sur la table, du whisky sur la table, du champagne sur la table, du punch sur la table, du Coca-Cola, y'a pas ça sous la table. Bah effectivement, là, on commence vraiment le vif du sujet, là. Là, c'est vraiment une époque, une période où bah, c'est les périodes d'étudiants, tout ça, les choses comme celle-ci, là, par rapport à ça, plan sur la table. Ouais, ouais. C'est vraiment étudiant, enfin, ouais. J'étais en alternance sur Paris, justement, c'était... enfin, j'avais quitté Lyon pour aller sur Paris. Ouais. Et du coup, c'était, enfin, le son, je l'ai écrit par rapport aux gens de Lyon. Parce que c'est avec des gens de Lyon que j'étais à l'événement. Puis, voilà. Et ça fait le tour. Et ça, et ça a bien buzzé. Hein. Ouais, ça a bien buzzé. Ouais. Parce que, après, tu es responsable en fait, dans tes textes, t'es quand même, tu essaies d'être conscient dans tes textes. Ouais. Tu essaies de faire un peu pour les deux générations, c'est-à-dire que tu fais un peu pour les anciens, et tu fais aussi pour la jeune génération qui aime bien le one redeem, juste une boum, 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 boum. Puis après, il y a des trucs beaucoup plus travaillés, ouais. On le voit. Et on voit effectivement que tu as fait une petite leçon, pas forcément de morale, mais pour certaines personnes sûrement qui t'ont... qui ont dû t'inspirer ce texte, pas ni potable. T'as dû voir ça autour de toi, les fameux sextapes, choses comme celles-ci. Ouais, ben voilà. C'est ça, ça m'a inspiré, puisqu'il y a une période où t'avais pas mal de vidéos qui tournaient sur WhatsApp, etc. Et je me suis dit, pourquoi il faut toujours faire une vidéo, quoi. Ouais. Et du coup, ça m'est venu comme ça, je me suis dit, vas-y, le texte. Le texte est venu comme ça. Et en fait, à chaque fois, les textes viennent comme ça, ou tu prends un peu de temps, ou c'est tes amis qui t'inspirent, ou la vie en général? C'est la vie en général, en fait. Ouais. C'est sur le moment, quand j'écoute une instru et qu'il y a un événement qui se passe, ben, je parle de ça avec mes mots, et puis ça donne le résultat, ce que ça donne. Et tu es toujours réfléchi dans ce que tu fais, ou parfois ça peut venir de façon spontanée, c'est-à-dire que tu me dis en 20 minutes, mais 20 minutes de réflexion, par exemple, mais tes textes, certains textes, tu les écris d'un seul jet, tu dis, bon, je ne le travaille plus, ou bien tu travailles quand même tes textes, même si tu fais un peu de légèreté, parfois. Mes textes, ça vient, c'est spontané. D'accord. C'est spontané, je lâche ce que j'ai à dire, et puis c'est comme ça. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je travaillais beaucoup mes textes. Ouais. Et puis, je censurais un peu mes mots. D'accord. Et tout. Et puis, je me suis dit, bon, autant dire les choses comme ça vient. Et puis, quand je fais écouter, on fait des critiques, des retours. Et puis, j'arrange s'il le faut. Mais j'essaye d'être spontané dans ma musique. D'accord. Eh bien, mesdames et messieurs, il donne une petite leçon. Parce que c'est vrai qu'il y a une certaine époque, et on a encore maintenant qui font encore cela, sextape, entre autres. Avec ce titre, il vous met en garde. Si vous avez quelque chose à conserver, coupez tout. Voilà, l'intimité. Exactement. À conserver. Alors, panneau portable, c'est pour tous ceux qui ont décidé de ne pas avoir d'intimité. Retrouvez l'intimité avec l'être aimé et vous serez plus tranquille. Mr. Rocha Wanted Radio, Missie Kako. Yes, Miguel. Missie Kako. Ou j'en savent que les nous qu'a fait l'amour, nous qu'a pris encore. Abisou est portable. Tout comme nous qu'a servi. En l'homme et moi, pas ni portable, nous qu'a fait. Doit moi qu'a caressé au concours de l'eau qu'a tombé assis en feuille. Pas ni selfie, les nous qu'a butiné qu'on abeille. Souvenir qu'a arrêté en tête, il pas besoin d'aller anyway.
inna your head. Les pressions la gamonte, nous pas besoin portable. Mwen ni munitions frene mwen pou pour d'arm. Ou se yon sete mwen kapiche si ou compad. En mission mwen ye se pa pièce promenade. Tout fond ou deye le debra mwen ka se vu. Même si nous ka alterne les débits. Say baby, baby, nous pas la pou tourner en série. Pas fait comme nous cadeau Christmas Mary. Oh non mais mwen pas ni portable nous ka fey. Dwek mwen ka karesse yo kon gout glo ka tombe assis en fey. Ni selfie, les nous ka butine kon abeille. Souvenir ka rete en tête, y pa bisou et aller anyway. Camarade mwen pa juge, donc mwen pa bisou mène preuve. Yo te kreye en vie, sav si ou se femme ki ka ba nom la fièvre. Et si nous back shot sans trêve, si ou ni yon belle petit déj. Yo te kreye en vie, sav si ou se femme ki ka ba nom la fièvre. Baby girl, ouais. Comment y'a? Mwen peche be wepi porta avant la main, ouais. Comment y'a? Ou peri senti sa mani en fonche, ouais. Comment y'a? En deuxième, ouais. Ou est désirant, ouais. Pas les gars des vidéos si mes gènes oublient des mains. Comment y'a? Mwen peche be wepi porta avant la main, ouais. Comment y'a? Ou peri senti sa mani en fonche, ouais. Comment y'a? En deuxième, ouais. Ou est désirant, ouais. Pas les gars des vidéos si mes gènes oublient des mains. Non, mais moi, pas ni portable, nous ka fey. Fey, 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 fey. Dwek mwen ka karesse au concours de l'eau, ka tombe assis en fey. Ni selfie, les nous ka butine kon abeille. Souvenir ka rete en tête, y pa besoin aller anyway. Les pressions la ka monte, nous pa besoin portable. Mwen ni munitions frene mwen pou pour d'arm. Ou se yon sete mwen kapiche si ou compad. En mission mwen ye se pa pièce promenade. Tout fond ou deye le debra mwen ka se vu. Même si nous ka alterne les débits. Say baby, baby. Nous pas la pour tourner en série. Pas fait comme nous cadeau Christmas Mary. Oh non mais moi pas ni portable nous ka fey. Dwek mwen ka karesse au kon gout glo ka tombe assis en fey. Pas ni selfie, les nous ka butine kon abeille. Souvenir ka rete en tête, y pa besoin aller anyway. Yes girl, Monsieur Kako. Ou j'a sav. Nous pas qu'à encombrer l'homme nous et puis pour ta boîte. Elle a c'est à fond. Le toucher. Yeah. Tout ça nous a fait qu'à être privé. Original, Monsieur Kako. Paris Colcha. Hey, Jizzy. Big up. Ah oui, je vois. Si on continue comme ça, Monsieur Kako, et les gens vont les rendre dingues. Parce que là, on veut déjà deux titres où effectivement, il y a de la subtilité dans le texte. Bon, il y a la légèreté dans Sur la table. Mais pas nipotable, on a commencé à réfléchir. Mais là, on va repartir un peu dans la légèreté. Hein. F.O.P. F.O.P. Avec le DJ, avec DJ T1. Ouais, c'est ça. Alors, ça t'est venu comment de... Parce que là, t'es parti sur la table, tu m'as dit effectivement, t'as eu là, t'es Six and Sun, c'est espèces de grosses soirées qu'il y avait en trois jours là sur Montpellier. Après, il y avait Bordeaux qui a essayé de faire un peu le parallèle entre autres, et même Lyon, parce que c'est les trois triptyques en fait où il y a vraiment des communautés caribéennes, et puis Paris. FOP alors, ça y est, là, tu t'es dit, le gars a eu ses diplômes, tout ça, on est parti, donc on va boire des coups, voilà, on trinque tout le temps. C'est ça, c'est ça. Ben, le son, en fait, il est sorti à la période des examens, quoi. Et du coup, j'avais beaucoup de cousins qui passaient leur examen. Oui. Puis c'est, en fait, mes sons, ça vient comme ça, c'est spontané. Il y a un truc qui se passe dans ma vie, boum, je raconte. En plus, tu as ta structure, Michael Tia. Donc, ouais. Tu as des beatmakers attitrés ou tu travailles avec plusieurs beatmakers? C'est comment que ça fonctionne? Plusieurs, mais généralement, je travaille avec Mafio. Enfin, c'est devenu plus des amis aujourd'hui. Oui. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec eux. Ouais. Et Mafio, Sensei G, The Why Not Production, Womba, Lord Crazy. Enfin, c'est des amis maintenant. Donc, du coup, je bosse souvent avec eux. Sinon, après, je bosse avec pas mal de gens, quoi. Et donc là, quand tu as décidé de faire ce son, comme tu m'as dit, tes cousins, tes voisins, ils avaient leur diplôme, tu l'as dit, voilà. Alors, ouais. FOP, moi, je sais ce que ça veut dire. Hein. FOP, alors, c'est quoi? Ça veut dire « faut couplain ». C'est-à-dire que si ton verre est vide, il faut le remplir. Voilà. Si tu as eu ton examen, ta copine est enceinte, il faut fêter. Faut pas hésiter. Bah alors, tu as beaucoup de famille en plus, je suppose. Donc la fête était... Ah, ben à oui. Cette époque-là, c'était la folie, je suppose. Ah ben oui.
Oui, effectivement. On a, en plus sur ce son-là, on a beaucoup, on a beaucoup rempli nos verres sur le morceau. Mesdames et messieurs, avec modération, bien sûr, tranquillement, mais faut tout plein pour vous, Mister Rocho, Monsieur Kako, Wanted Radio. Yes. Good morning. On s'en tombe. Original Monsieur Kako. Yeah. T'as eu ton examen, t'as eu ton diplôme, t'as été embauché, maintenant tu bosses à la com. On va fêter ça, voici le champagne et le rhum. Mais qui t'a calé là, vous me faites oui. On y en fait, mais il vide, faut tout play. On y en fait, mais il vide, faut tout play. On y en fait, mais il vide, faut tout play. On y en fait, mais il vide, faut tout play, faut tout play. Maman, tu es tombé. Boisson pas qu'à finir ou c'est dit à volonté. Ni sa cabre poche, coco, con, yaourt, velouté. Et puis des mêlés, yo levé, yo dégoûté. Champagne en boîte, et puis on nous à gaz. Fais nous qu'à rempli pour tout occasion. Molly a qui raide, on y mandé l'homme taz. Si gobelé au vide, papa nous gaz. Je crois que là, on leur a donné un peu de légèreté. Mais là, on va être un peu plus sérieux. Parce que je pense que c'est une période que tu as dû avoir des choses qui sont un peu plus tristes, un peu plus dures. Parce que j'étais physia. Le rythme est très festif. Ça donne très envie de se jeter sur la piste, de se projeter et de vraiment jumper dans tous les sens. Mais le texte est très profond. Ouais. Et ça, c'est quelle anecdote que tu as eue par rapport à ça? C'est quelque chose qui a vu ça autour de toi? Ou c'est simplement... parce que c'est vrai que les Caraïbes sont très très variés, hein, je le dis souvent ici, hispanophones, anglophones, francophones, on a énormément d'exemples par rapport à ça, malheureusement. Qu'est-ce qui t'a frappé pour justement vouloir témoigner de cela? Si je me souviens bien, ce morceau, justement l'instru était assez festif, et du coup on a voulu, à la base on a voulu faire un pas de danse. On D'accord. s'est dit, il faut qu'on crée un pas de danse si... On regarde le clip, il y a un petit pas de danse. Oui, tout fait. À fait, ouais, j'ai regardé le clip, ouais. Et puis, c'est venu comme ça. J'ai fait un pas de danse avec un fusil et je me suis dit, j'allais pas dire shoot avec ton fusil. Du coup, je me suis dit, autant faire un truc conscient, quoi. Ouais, je vois. Puisse danser, mais en même temps, être conscient. Que ce soit fun, mais dans le conscient. Ouais, je vois. Un fun conscient. Voilà. Un fun conscient. Et donc là, c'est cool. Parce que c'est vrai que quand on écoute vraiment les paroles dedans, bon, certains qui ne comprennent pas forcément le créole, après, comme je dis toujours, envoyez-moi des messages, vous le traduirez sans aucun problème. On voit qu'il y a la responsabilité de la jeunesse
Parce qu'on dit toujours la jeunesse, elle est frivole, elle aime bien se faire la fête, parce que elle aime bien faire la fête, elle aime bien s'amuser, boire des coups, si cinq sensons, comme on disait. Mais là, on voit vraiment que vous avez une responsabilité, que vous demandez aux jeunes de rester tranquille, quoi. Ah oui, ben moi j'essaie d'être moi-même dans ma musique. C'est-à-dire que je peux être quelqu'un de festif, qui aime danser, qui aime les femmes, qui aime si faire la fête. Mais je reste aussi quelqu'un de qui est dans la réalité. C'est-à-dire que mais il y a la violence, faut aussi parler de ça. Faut pas être, comment dire, aveugle de ce qui se passe autour de nous, de mauvais. Il faut savoir raconter les choses aussi. Et d'ailleurs, plusieurs années après, on va en parler. Sanglomic Challenge, tu avais participé à le Sanglomic Challenge, par rapport au gamin qui, malheureusement, en Guadeloupe, avait eu ce souci-là, qui est décédé pour une bêtise, faut le dire, pour un truc, et que tu avais participé avec ton cœur par rapport à ça. Ouais. Donc on big up à la famille, on y pense encore. Ouais. Et puis j'étais physia, hein. C'est toujours d'actualité, même en 2019. Donc j'étais physia, Monsieur Kako, Wanted Radio, Mr. Osho. West Indies. Malgré toute violence finie, West Indies, you know. Yeah. Et ça part en 2012, nous pas pensé. Sans violence, nous avons bien nous sans violence. Yeah, man. On aura toutes les mélopées. Wow, wow. Nous finis pour payer, j'étais fissia. Nous finis pour payer, j'étais fissia. Nous pas viser ça, nous pas viser ça. Nous pas viser ça, donc j'étais fissia. Nous finis pour payer, j'étais fissia. Nous finis pour payer, j'étais fissia. Nous pas viser ça, nous pas viser ça. Nous pas viser ça, donc j'étais fissia. Alors tout Batman, j'étais fissia. Pas ni règlement de code, donc j'étais fissia. L'esprit où t'es que donc il soute, j'étais fissia. La ni innocent, Kaila, j'étais fissia. Oui, pas ni blessé, j'étais fissia. Pour l'ambulance pas fini, j'étais fissia. Pour des mêmes moments pas pleureux, j'étais fissia. J'étais fissia, j'étais fissia. On nous représente Madini là comme il faut. Stop pour les clics, clac, les popopopo. Depuis quelques temps, man, ça mini chaud. Nous finis pour payer, j'étais fissia. Nous pas viser ça, nous pas viser ça. Nous pas viser ça, donc j'étais fissia. Nous finis pour payer, j'étais fissia. Nous finis pour payer, j'étais fissia. Nous pas viser ça, nous pas viser ça. Nous pas viser ça, donc j'étais fissia. Nous pas viser fissi, nous pas viser couteau. Bah la free off qui avance pas les banques Nintendo. Tout monde c'est vacabo, pas ni aïe qui go. Moun pè sorti, moun pè sorti. Parce que pour n'importe qui ça, vous pouvez trapper en balle. Pour n'importe qui ça, on peut finir l'hôpital. Ring the alarm, ring the alarm. Nous finis pour payer, j'étais fissia. Nous finis pour payer, j'étais fissia. Nous pas viser ça, nous pas viser ça. Nous pas viser ça, donc j'étais fissia. Nous finis pour payer, j'étais fissia. Nous finis pour payer, j'étais fissia. Nous pas viser ça, nous pas viser ça, nous pas viser ça, donc j'étais fissia. Ah, on leur a donné un petit sérieux là, t'as vu, on est un peu sérieux de temps en temps. Hein. Ah ben il faut, hein. Eh, mais là, faut mais là on va continuer dans le sérieux là. Parce que là, c'est un peu ton parcours quelque part. Ouais. Parce que là, ça fait quand même. Bon, tu reviens de temps en temps à la Martinique, comme de temps en temps, tu essaies de venir ou pas? Combien de temps que tu n'es pas venu? Quasi tous les ans. Tous les ans, tu vas? Tous les ans, ouais, j'essaie de retourner. Peut-être une fois, je n'ai pas été. Ouais. Mais ouais. Sur les 14 ans, j'ai été peut-être 11 fois, 12 fois. Ah, c'est pas mal. Puis en plus, tu étais en Jamaïque dernièrement, en plus de ça. Donc, tu étais à côté, en plus. Voilà. Parce que c'est vrai que Patipo construit. C'est vraiment ton parcours quelque part, puisque tu es parti pour justement faire ce que tu avais à faire. Ouais, c'est exactement ça. Et enfin, j'ai écrit ce morceau, ça me tenait à cœur quand même de l'écrire. Et puis, c'est ma réalité. Depuis, comme je raconte dans le son, j'avais souvent mes parents qui me disaient oui, il faut que tu ailles à l'armée, tout le temps. Pour. Enfin, moi, je voyais ça comme. Comment on dit ça, le triangle, comme à l'époque de l'esclave, mais inversé. Quoi. Ouais, je vois. C'est-à-dire que nous, on s'en va et eux, ils arrivent et voilà quoi. Ouais, je vois. Puis ça, voilà. Mais toi, t'aimerais retourner à la Martinique y vivre, y travailler, ou bien tu comptes rester encore quelques années ici et repartir, faire des allers-retours, ou bien t'installer là-bas, comme font certains, comme Guy Alemsi, qui lui
à la Martinique, mais viens faire des allers-retours ici pour différentes choses. T'aimerais faire ta base à la Martinique ou faire ta base ici et puis faire des allers-retours dans les Caraïbes? Quel sens t'aimerais faire? Pour l'instant, je ne sais pas, mais ouais, le meilleur sens... Enfin, pour l'instant, j'aurais bien aimé être basé ici et aller en Martinique. D'accord, d'accord. Ouais. Pour l'instant, ta base, c'est ici. Ouais, pour l'instant, d'accord. Ouais. Ouais. En plus, en parlant de base ici, on va en parler quelques instants, c'est vrai que tu as changé un peu des choses dans ta direction artistique. On va en parler quelques instants et avec Roméo qui a décidé comment ça s'est fait la rencontre avec Roméo alors pour la mise en place de cette nouvelle collaboration artistique à la radio à P2M. D'accord. On s'est rencontrés, on a discuté et puis le feeling est bien passé. Ouais. Puis on est resté en contact. D'accord. Et là maintenant vous allez avancer ensemble pour les années à venir, là vous allez monter des choses ensemble. Ah ben on va faire des choses ensemble. Ils sont très discrets, il ne va pas me dire quoi, parce que vous savez, dans le Mister Rochaud, on pose des questions pour savoir certaines choses, mais il y a plein de trucs. Il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des trucs qui se mettent en place, oui. Notamment mon concert le 2 juin. Oui. Donc, il bosse avec moi sur cet événement-là. En plus, c'est une belle salle, mesdames et messieurs. Voilà. Les Étoiles. Les Étoiles, le 2 juin. Le 2 juin. Ça va être très, très, très sympa. C'est un bel endroit, hein, c'est assez grand. Pour avoir une certaine intimité. C'est pas trop grand, mais c'est assez grand pour avoir un beau concert. La sono, elle est mortelle. Elle est mortelle. Il faut savoir que. Les lumières, génial. Ah oui. Là, en plus, vous êtes bien en hauteur parce que là, pour une fois, c'est pas par terre que vous avez la scène. Elle est surélevée. Vous pouvez voir de partout. Il y a une mezzanine. Vraiment, c'est très agréable. Ouais. C'est dans le 10e arrondissement, rue des Petites Écuries, tout ça. Donc, les Étoiles. Le 2 juin. Mais on en parlera encore. On va encore redire que le 2 juin, MC Kako, tout ça, tranquillement. Bah là, on est parti pour construire. Hein, voir un peu le cheminement de MC Kako depuis 2005. Ici, son label, son nouveau manager, ses nouvelles équipes et toujours la bande de potes qui maintenant travaillent avec eux, qui étaient ses potes avant, qui sont toujours ses potes et puis d'autres qui n'étaient pas ses potes et qui le sont devenus. Et ils continuent à bosser avec eux. On est parti. Parti pour construire Mister Rock Show Wanted Radio, Missy Kako. Yeah! Kako! Oh yeah! Pour qu'ils s'abonnent nos parties. Oh oh! Pour qu'ils s'abonnent nos parties. Pour d'aimer nous, ben ça construit. Martinique, c'est un paradis. Bel paysage mais pas ni avenir, yeah. Ici à nous fait pas grandir. Obligé nous monter Paris pour apprendre ça qui la vie. Pas ni travail pour les jeunes c'est la vie, yeah. Si il en moins qu'a souffert, j'aime qui ni chive long, qu'a profé, bêche. Et puis peuple là en la tchè, ça qui pas ni travail qu'a vini dile. Et ça qui ni travail yo pas qu'a paye yo. Et ça qui sorti la jol yo pas qu'a aide yo. Ça qui monte entreprise yo qu'a chasse yo. Dis-moi qui ça qui t'a noué et puis qui ça qui t'a yo. Ça qui élu pas qu'a osé faire travail yo. Yo là pour le pouvoir, yo là pour l'argent yo. Et si peuple là qu'a ouais misère, c'est pas problème yo. Oh, yo pa ka wè ke nou ka pati. E yo pa ka fè ya 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 please. Pou ki sa bonè nou pati. Pou demè nou bè sa konstri. Martinique se yon paradis. Bel paysage mè pa ni avenir, yeah. Ici a nou bè pa grandi. Oblige nou monte Paris. Pou apprendre sa ki la vie. Compagnie travail pour les jeunes c'est la vie. Et compagnie travail nous toutes calé l'armée goumé pour un pays qui pas savent si nous qu'a existé. Nous qu'a chapé pour remplir les portes monnaie yo qu'attendent que nous parti pour yo pe vini installer. Combien j'a galéré pour trouver un travail. Réfléchis comment y arriver à dans la life. Prenons des toits tchada pour pe sa fly. Oubliez tout problème en laisse sa bakay. En plus dis ça les parents pas content bah yo nous c'est des tifayants bah les autres là nous c'est des délinquants. Et puis en coiffure ou pépin toujours ni en jugement. Mon quoi pe que jamais ni changement. Alors comme nous ni mal. Nous cachons des solutions pour toujours garder espoir. Nous calons ouais dans nos horizons. Pour aimer nous ben ça construit. Martinique c'est un paradis. Bel paysage mais pas ni avenir. Ici à nous ben pas grandir. Obligé.
premier question yo ka pose mwen. Les mwen ka jwenn yon de moun en France. Pour qui ça m'a quitté il en mwen. Alors comme ni soleil en abondance. On ka répond yo. On ka répond yo. Que pas ni boulot. Pour évoluer, certains cafons coco, donc pour me pas touer. Article dans journaux, combien fois yo choué. Politique pas nous pipo, on y m'en dévalé. Que pas ni boulot, pour évoluer, certains cafons coco, donc pour me pas touer. Article dans journaux. Nous pouvons construire Martinique, c'est un paradis. Bel paysage, mais pas ni avenir. Yeah. Ici, à nous ne pas grandir. Obligé nous monter Paris pour apprendre ça qui la vie. Oh, yeah. Pour qui ça faudrait nous partir. Yes, Naya. Yeah, nous allons la GPI. Et puis nous pas virer. Yeah. Yeah man. Kaku. Bah oui hein. Alors, et on va repartir là, c'est vraiment on a fait un côté un peu sérieux, mais c'est vrai que toi tu t'es bien amusé hein, quand même hein. Plan cul, Bayon Rafale qui est le reflet de tout ça, toutes ces choses là, même si après il y a eu Holiday Dance 3, des choses comme ça qui viennent, mais c'est vrai que c'est vraiment Concrete D qui est dans ton univers. Et puis le DF Redeem, ça tout le monde, le DF Redeem, ça, c'est, qui n'est pas allé sur le DF Redeem, ah, ça, ça le truc de dingue, DJ Vitry, tout ça. Ah oui, ça c'est le truc de fou. Et avec tout ça, quel sera, tu tentes toujours vers le dancehall ou bien tu vas faire des petites incursions un peu dans le R&B, un peu le hip-hop et un peu l'afrobeat, mais léger, pas l'afrobeat qu'on nous matraque sans arrêt. Ou tu te décides que, du fait que tu as lancé un mec dernièrement, tu as rentré maintenant vers le reggae dancehall à fond ou bien tu vas plutôt élargir ton horizon. Mais c'est vrai qu'en sortant de la Jamaïque, j'ai envie de faire du dancehall, quoi. Ouais. Parce que là-bas, ils écoutent beaucoup de dancehall et du coup, la vibe, elle est très dancehall. Et ouais, ben, dernièrement, j'ai réinstallé mon matériel. Ouais. Et ouais, j'avais envie de faire du dancehall. Parce que c'est vrai que quand on écoute là, la 16e, le mélange à la tête avec Missy Kako, il y a Xolo, Némé, donc tout va pitcher moins. C'est vrai que là, c'est une incursion un peu électro-pop, ouais. avec un beat un peu afro dedans. Ouais, effectivement. Ben justement, c'est le mix de tous les artistes que tu viens de nommer. Oui. Donc Xolo qui fait beaucoup de pop caribéenne. Et du coup, ça a donné le morceau Pitch et moins. Et l'histoire, en fait, c'est que il y a eu une réunion avec pas mal d'acteurs du milieu. Oui. Donc des compositeurs, des artistes. Oui. Et d'où le nom La 16e. Ça d'accord. Donnait le nom La 16e. Et ouais. On se retrouvait, en fait, on faisait des résidences. Ouais. Donc dans mon studio. D'accord. C'était le samedi et le dimanche. On se retrouvait comme ça, on parlait musique, on enregistrait, on faisait des freestyles. Et ça a donné le morceau que ça. Voilà, on a tous participé. Franchement, c'est moi-même, j'ai composé dans le morceau, j'ai donné des idées. Il y a un mec qui n'est pas du tout dans la musique, enfin, il sait jouer de la guitare. D'accord. Donc c'est lui qui fait la guitare. C'était la première fois où il faisait de la musique, il enregistrait. Ouais. Et ça a donné ce morceau-là. Parce que c'est vrai que quand on entend le rythme un peu, on entend un peu les rythmes un peu afro, un peu avec la pop derrière, comme les morceaux un peu qu'on entend afrobeat, tout ça, mais plus subtil derrière, avec ce mélange de voix et d'influence. Et c'est vrai qu'à un moment donné, bah, tu peux pas t'en empêcher, c'est vrai, que vous dérivez un tout petit peu dans le morceau. Vous allez l'écouter, mesdames, messieurs. Hein. Dériver un tout petit peu dans le dancehall, mais léger, il y a un tout petit peu en plein milieu du morceau, on sent qu'il y a eu un truc. Ah oui, avec Nemesis. Oui. Ouais, ben lui c'est un artiste hip-hop dancehall, donc forcément ça a dérivé. C'est ça.
Mais franchement, moi je suis fier du morceau. C'est vraiment un morceau où c'est la création, quoi. On est parti de rien, on s'est dit vas-y, on fait un truc et puis ça a donné ce que ça a donné. Mesdames et messieurs, je ne vais rien rajouter à ce qu'a dit Monsieur Kako. Là, vous avez envie, là, la 16e vous donne envie. Hein. Le mélange Monsieur Kako, solo et Nemesis. Pitchez-moi pour vous, Mr. Osho Wanted Radio. Sans couteau, galou, pitchez-moi, pitchez-moi, pitchez-moi. Ne t'es pas parti, passe-moi, pitchez-moi. Ou peut pas dire seulement, pitchez-moi. Galou, pitchez-moi, pitchez-moi. One time, fais en confidence. Entre nous, ni en mode, ça évident. L'air baissé si basse, la sentence. Show de move, I feel you in your dance. Girl, comme d'hab, ou pe point bar. Trappe les mains, y'en moins fly sirène. Pitcher moi nous moi tout si les va. Vous et moi ça qui est fina si les va. Car si c'est oui c'est one time. Pour nous suivre nous all night. C'est oui c'est one time. Pour sa fin si les va. Pour nous suivre nous all night. Pitcher moi pour nous. Yeah yeah yeah. Pitcher moi, pitcher moi, pitcher moi. Sans couteau galou. Pitcher moi, pitcher moi, pitcher moi. Que t'es pas parti. Pour moi passer à table. Contre tsunami. Ou c'est même ça sous pas gestion pour l'année. Ton piscon qui est pompé au sonnelé. Pinquet ton parole à bien pour l'année. Free me and come to me. On time et nous pas caille dans me. Tout le monde domine nous pas yon sous me. Pas ni moyen que nous que film dans me. Free me and come to me. On time et nous pas caille dans me. Caribbean gale y'a pas yon sous me. Ça qui fina si le vacan. Si c'est oui c'est one time. Pour nous suivre nous all night. Si c'est oui c'est one time. Pour sa fin si lève pas. On nous suivre nous all night. Fini pour nous. Yeah yeah yeah. Pitcher moi, pitcher moi, pitcher moi. Sans couteau galou. Pitcher moi, pitcher moi, pitcher moi. Que t'es pas parti passe moi. Pitcher moi. Mais pas ni seulement ami, t'es moi. Galou, pitcher moi, pitcher moi. Effectivement, là, ils vont danser comme des dingues. Ah, ben oui. Et, dingue. Et là, j'ai fait une. On fait une... Ouais, exactement. Et là, on fait une incursion. Parce que, ouais, on va si Paname, c'est très récent. C'est ouais. C'est vraiment un truc très récent. Et là, on voit très bien qu'effectivement, ça. Ça a vraiment changé d'horizon quand t'as fait ce titre-là. Bon, après, on sait, hein, on va boire un verre sur Paname, tout ça, on fait un peu la fête et tout, mais par rapport à tous les riddims qui étaient avant, qu'on a écoutés ensemble, ouais. Avec les auditeurs, qu'est-ce qui t'a pris de vouloir avoir un peu un rythme un peu plus R&B, pop, hip-hop, là, dans celui-là? Ben, l'instru de ce morceau, c'est un morceau US, qui, je crois, c'est Fresh, French Montana. D'accord. Ça s'appelle No Stylish. Ouais. Et je l'ai entendu à la radio. Ouais. Et j'ai kiffé l'instru. D'accord. J'ai eu un déclic sur l'instru. Et puis, je me suis dit, il faut que je trouve l'instru de ce morceau. J'ai recherché sur Internet, j'ai trouvé. Et puis, au même moment, j'avais été boire un verre avec des amis. Et ben voilà. Non. Alors, c'est un monsieur qui disait qu'au début, il ne buvait pas d'alcool. Depuis tout à l'heure. Hein, et puis, ah oui, je suis allé boire un verre avec des amis. J'étais à la Six and Son, tout ça. Ah, oui. Ben oui. Ouais, franchement, le morceau, j'aime bien. J'ai fait le morceau pour mes potes et ils ont tout kiffé. Ils m'ont dit, faut que ça sorte, faut qu'on fasse le clip. Ah oui, vous avez fait un beau clip. Et on a fait un clip, mais en plein milieu de Paris, dans rue de Lappe, oui. À Bastille.
Oui, voilà, ah, j'ai bien reconnu la rue. Je connais bien cette rue, j'ai bien vu cette rue. En plus, elle prête bien ça avec les lumières. Avec les lumières, ouais. Et puis, comme elle est étroite, avec ouais. tous les bars à droite à gauche, il y a des bars tout le long, mesdames a, et messieurs. On a eu de la ouais. chance parce que. Ouais. Dis-moi. Au même moment de tourner le clip, il y a eu, je crois, il y a eu un petit accident et l'ambulance avait bloqué la rue. Ouais. Du coup, il n'y avait pas de voiture qui passait dans cette rue-là. Et ça nous a permis de tourner le clip tranquillement. Parce que c'est vrai que cette rue, elle est très passante. Ouais. Et. Le samedi dimanche, parfois, les voitures ont du mal à se frayer un chemin parce que le samedi soir, il y a beaucoup de monde. Ouais. Mais c'est vrai que les voitures, j'ai pas compris, hein, ils n'ont pas mis encore piétonne parce que avec le nombre de bars qu'il y a et le nombre de gens qui est là, ils devraient. Ouais, ouais, j'avoue. Bah, ça t'a permis de faire le clip, ouais. hein C'était sympa. Ben voilà, c'est ça. Les gens ils nous regardaient dans la rue. Exactement. Point en Vessie Panam, BAVSP, Monsieur Kako, Mr. Osho Wanted Radio. Yeah. Et nous cabré en versi panam, bré en versi panam, nous cabré en versi panam, bré en versi panam, mais bisé décompressé, donc ma cabré en versi panam, mais bisé décompressé, donc ma cabré en versi panam, en crié à ridété, en crié cadou, moi pas qu'à rentrer la chou qu'à voyer plein la boue, moi qui touche ta demain, ça sur moi y'a la boue. Mais pour l'instant c'est vivre au cocktail Singapour. Yeah, yeah, des trois chabines rivées, des trois négresses rivées. Yeah, yeah, c'est la gars clignoté, nous pas mal élivé. Yeah, yeah, moi j'ai gardé rivé, moi j'ai la déchivé. Yeah, yeah, mes barres étaient zizé, la nuit en bas DJ. Nous prend cocktail, nous prend bouteille. Ika carré, nous pas prend hôtel. Mani le H musclé qu'on popé. Gang la doubout ça ou pékwe. Nous j'a dit ça combien fois, nous qu'a arrêté vrai comme ça. Nous j'a dit ça combien fois, nous qu'a arrêté vrai comme ça. Et nous qu'a bré en versi panam, bré en versi panam, nous qu'a bré en versi panam, bré en versi panam, mais bisé décompressé, donc man qu'a bré en versi panam, mais bisé décompressé, donc man qu'a bré en versi panam, bré en versi panam. Bré en versi panam, nous ka bré en versi panam. Bré en versi panam, mais bisé décompressé, donc man ka bré en versi panam. Mais bisé décompressé, donc man ka bré en versi panam. Yeah, 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 yeah. Voilà, on est en train de se bien se marrer là, hein, tranquillement. Ah ben on a bien vu sur Paname alors. Hein. Exactement là. Eh ben là, on devient encore sérieux là. Parce que Simonella qui a rentré, c'est encore quelque chose que, qui est une évidence peut-être pour toi, mais pas pour d'autres. Quand tu as fait ce texte. Ouais. Parce que par rapport au thème que tu as entrepris, ben, c'est-à-dire que forcément, si on ne travaille pas, on ne peut pas avoir d'argent qui rentre. C'est ça. C'est-à-dire que. Si c'est là, c'est en fait tu as mis en bah, en exergue et en bah tu dis voilà si tu travailles bah tu peux avoir de l'argent si tu ne travailles pas ben bah, bah tu peux pas demander quelque chose quoi. Ouais. C'est le travail qui permet d'avoir quelque chose. Toi tu travailles depuis que tu es tout petit, enfin tu as toujours eu la notion du travail chez toi, tu as toujours dit qu'il fallait travailler Ouais, ou pas. Ouais. Ouais. C'est la valeur bon, que tu as inculquée. Depuis petit mais on me l'a souvent dit ouais. Depuis petit on t'a dit ouais, faut travailler et puis moi, je suis quelqu'un de très observateur et ouais. je le voyais depuis petit. Il faut bosser pour avoir ce qu'il faut. Et donc, tu continues à travailler. Voilà. Ouais. C'est pour ça que ça t'a donné envie d'avoir non, ton label. Non, il faut. Et ouais. puis, faut pas, enfin, c'est, plus aussi, c'est un message aussi pour dire qu'il ne faut pas être jaloux de quelqu'un. S'il a ça, c'est qu'il a bossé, il a fait un sacrifice. Il n'est pas allé en soirée tout le temps. S'il a voyagé, ben... Tu vois, faut savoir si la personne a quelque chose, faut pas être jaloux. Faut kiffer pour lui et puis voilà. C'est la philosophie que tu t'es donnée. C'est, ouais, c'est pour ça que tu bosses tout le temps, en fait, tes sons, que tu essaies de bosser. Même si tu te dis, moi je te taquine là-dessus, mais c'est vrai que même en 20 minutes, on peut faire des beaux textes. Il y a des textes qui sortent, subtils et tout. Il y a besoin de dire, qui passent des journées, il y en a qui passent des journées, et puis le texte, il est vide, hein, faut le dire. Et puis il y en a qui passent 20 minutes, 30 minutes, etc. C'est pas la durée du truc. Hein. Chacun son talent. Exactement. Et puis chacun a l'inspiration ouais, direct voilà, dessus, ouais. bien sûr. Chacun mais donc, son histoire, ouais. Mais ton histoire est fait que là, Simonella qui a rentré,
c'est qu'on a bossé hier. Et tu peux donc faire le après le BAVSP. Voilà, c'est ça. C'est la même quasiment sorti quasiment en même temps, donc dans la lignée, donc. Ouais. C'est et c'est récent, mesdames et messieurs. Hein, ça a un an ou deux ans, c'est pas ça a un an. Hein, c'est pas. Ouais. Là, on est retourné un peu en arrière. Là, c'est dans les toutes. C'est les, la fin de l'année 2018. Là, on est quasiment au début 2019, tout ça. Donc, on est dans le brand new complet. Simonet Laka rentré, c'est parti ou pas? Ah, c'est parti. Alors, maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oula! Mr. Osho Wanted Radio. Hey yo, Monsieur Kaku en live and direct, hey man. Dédicace pas tout ça, ça fait money. Qui ou fait go l'école, qui ou pas fait l'école, ben là c'est money. Yeah! Mal pas gardé, faut faire. Non, faut pas jaloux, en frère. Travail qui ni travail à des potes, qui l'a pour mettre l'argent dans les potes, monnaie. Né! Mal pas gardé, faut faire. Non, faut pas jaloux, en frère. Travail qui ni travail à des potes, qui l'a pour mettre l'argent dans les potes, monnaie. Yo! Simonie la carotte, c'est que nous travaillons. Simonie la carotte, c'est que nous travaillons. Chaque l'année, nous les bouffons les salaires. Nous la cachabonnez pour nous payer flex salaire. Simonie la carotte, c'est que nous travaillons. Simonie la carotte, c'est que nous travaillons. Chaque l'année, nous les gonfler les salaires. Nous la cachabonnez pour nous payer flex salaire. Depuis petit, nous les êtes millionnaires. En chiffre tout vent et puis plein zéro deye. Money et travail, ouais, ça complémentaire. En bise flex, fait l'entourne à la terre. Fais calcul les piques, les picou élémentaires. Nous toujours fait billet, malgré les faux élémentaires. Travail la cafette, malgré les commentaires. Nous bise chauffer quatre glaces en mettez ventilateur. Simonie la carotte, c'est que nous travaillons. Simonie la carotte, c'est que nous travaillons. Chaque l'année, nous les gonfler les salaires. Nous la cachabonnez pour nous payer flex salaire. Simonie la carotte, c'est que nous travaillons. Simonie la carotte, c'est que nous travaillons. Chaque l'année, nous les gonfler les salaires. Nous la cachabonnez pour nous payer flex salaire. Mais la jambe est chef là. Pour gagner ça, m'en gagner mon pas, je tire trèfle là. C'est bon tout, mon yon business qu'a fait là. Ah ouais, moi si mes nef là. Si mes nef là. Bisou fait resto, pas yon qui mange kefta. Nous ka redi charrette, nous ka nourri bef là. Nous ka pote pote là, et nous ka ouvert brèche là. Et les l'état ka pense à ka li me mèche là. Mal pas gardé, faut faire. Non, faut pas jaloux, en frère. Travail qui ni travail à n'importe qui l'est pour mettre l'argent dans les potes, mon nez. Mal pas gardé, faut faire. Non, faut pas jaloux, en frère. Travail qui ni travail à n'importe qui l'est pour mettre l'argent dans les potes, mon nez. Yo, Simonie la carotte, c'est que nous travaillons. Simonie la carotte, c'est que nous travaillons. Chaque l'année, nous les gonfler les salaires. Nous la cachabonnez pour nous payer flex salaire. Simonie la carotte, c'est que nous travaillons. Simonie la carotte, c'est que nous travaillons. Chaque l'année, nous les gonfler les salaires. Nous la cachabonnez pour nous payer flex salaire. Bing! Dédicace bat tout ça qu'a fait money. Tout ça qu'a fait l'argent, tout débrouillard. Bah là, on leur a dit les choses. Et puis, il faut quand même qu'on parle que il y a un album qui est sorti fin mars, en avril, début avril. Avec ou sans. Avec ou sans, ouais. Le deuxième album, parce que tu as fait pas mal de mixtapes en 2005, 2008, entre autres, tout ça. 2007, 2008. Et cet album-là, sorti avec ton label, donc, qui a. Bah, ça fait. Ça va, il a déjà un an. Un an. Ça passe vite le temps. Ça passe trop vite. Il y a déjà un an, on est là en train de se dire. On est en 2019, ça passe trop vite. Tu l'avais imaginé comment alors Tu l'avais imaginé comme celui-là ou tu t'étais dit comment tu avais vraiment réfléchi pour faire cet album-là? Ou tu dis non, je prends des textes que j'ai à droite à gauche? Ou tu dis bon, je travaille des textes pour cet album? Cet album. Déjà, le titre Avec ou sans, ça reflète ma philosophie. Puisque, en fait, quand j'ai fait cet album, j'étais dans une période assez difficile. Ouais. Et Avec ou sans, c'est pour dire que ben, si t'es là avec moi, c'est bien. Si t'es pas là, on s'en fout, on continue d'avancer. D'accord. Donc, cet album, j'ai enregistré des morceaux par-ci, par-là. Et puis un beau jour, je me suis retrouvé avec, puisque sur l'album, je crois, il y a 15 titres. Mais je crois que j'avais enregistré près de 40 morceaux. D'accord, je vois. Et quand je me suis retrouvé avec les 40, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et voilà, je me suis dit, ben, je vais sélectionner les morceaux. Ouais. Du coup, j'ai sélectionné. Et après, j'ai retravaillé les morceaux pour avoir une meilleure qualité. Ouais. Puis ça a donné l'album Avec ou sans. Et puis, il faut dire, mesdames et messieurs, que quand il sort un album, le premier par exemple,
Parce que quand il y a les hit parades, tout ça, en truc reggae, il n'y avait pas trop de promos dans le premier. Mais il y a quand même numéro 1 à un moment donné pendant quelques jours. Pendant les premiers jours, là, les gens se sont précipités sur le travail de Missy Kako hein, quand il a fait son album. Ouais. Le premier album, les gens, ils sont venus. Là, celui-là aussi, il fait son bonhomme de chemin. Il a une aura, Missy Kako, quelque part, dans l'évolution. Ouais. Non, le premier, j'étais étonné, premier sur au classement iTunes, sur reggae. Exactement, reggae. Oui. Ouais. Et le deuxième, vu qu'aujourd'hui, il y a plus de streaming. Du coup, c'est difficile d'apparaître dans les premiers. À l'époque, les gens ne connaissaient pas le streaming, donc ils achetaient directement. Ouais, c'est bon. Aujourd'hui, bon, les gens, ils écoutent. Plus, ouais. Ils vont écouter. Puis ils choisissent leur morceau. Mais je suis assez satisfait du résultat. Ça annonce de belles choses, mesdames et messieurs, l'année 2019. En plus, ça, vous avez eu déjà deux titres qui étaient déjà à la fin de l'année 2018. Il y a un dernier. Ce sera pour après, hein, tranquillement. Là, on va se mettre en position. Hein. Position. Ça c'est un peu comme, c'est un peu tes voisins, parce que ils sont de Saint-Joseph, à Pékin. Ouais. Et c'est un peu un one redeem, un peu. C'est pas une copie, mais c'est un peu les one redeem qui se font actuellement. Ce titre-là, Cela. Comment il s'appelle? Titoni qui a fait l'instru, qui a déjà bossé avec pas mal d'artistes. Et puis, l'instru est dans la lignée de ce que fait APK. Donc, voilà, ou d'autres, parce que c'est ceux qui sont les plus connus. Parce qu'il y en a d'autres qui font les mêmes. Moi, j'ai dit APK parce que c'est ceux qui sont à peu près les plus connus. Mais il y en a pas mal qui font des choses comme celle-ci. C'est la tendance en Martinique. Mmh. Donc, voilà. Bon son. Avec Spikey, justement, c'est DJ Spikey qui m'a... On a voulu bosser ensemble et puis c'est lui qui m'a fait écouter l'instru. Puis ça a donné position et l'histoire, puisque moi, il y a toujours une histoire derrière le son. Ben évidemment. En fait, je sortais du carnaval de Bordeaux et j'avais winé une fille et puis voilà. Parce qu'il y a position 1, position 2, position 3, position 4 et tout ça. Oui. C'est pas dans la chambre, les positions. Après, les gens, ils prennent comme ils le veulent, mais à la base, c'est... Un morceau qui parle de danse, la fille en position. Voilà quoi. Non, mais c'est bien. Position back et top. C'est exactement ça. Et en plus, le redeem, après, il y a tous les pas. Regardez le clip aussi, mais regardez comment c'est fait derrière. Vous dites, effectivement. En plus, encore un carnaval. Vous voyez, on voyage. Lyon, Montpellier, Bordeaux et tout. Ben oui. Et puis peut-être qu'en juillet, il y aura une inspiration parce que le 7 juillet, le carnaval de Paris. Voilà. Donc il y aura peut-être une inspiration, qu'il y aura un titre qui va sortir comme ça. Avec Missy Kako, faut s'attendre à tout. Faut s'attendre à tout. Parce que musicalement parlant, il est capable de vous mettre du conscient, de l'inconscient, faire du R&B, faire du hip-hop, faire du reggae et faire du one redeem, du multi-redeem. Et là, c'est un redeem avec J-Spikey, tranquillement, en sortant de Bordeaux. En plus, Wanted Radio, elle est de Bordeaux, cette radio. Donc, il se passe de bonnes choses comme ça. Position, Mister Ocho, Missy Kako, Wanted Radio. Missy Kako, ou sous de garçon. Attache ton câble. Prends la position, gal. Zip sa wap pap kon la tradisyon. Pa pote tou an ni pran desisyon. An nou fe an kombinezon. Position 1, position 2, position 3, position 4. J'adore, je pourrais t'appeler Mia Mor. Alors, voulez-vous avec moi pour un favor? Prends la position, change pas de position. 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 Scotchez-moi et puis don't talk. Hey mon Dieu, chérie, je suis étonné. Papa ou notre maçon passe ou bien bétonné. Donnez-moi le BPM. Quittez-moi battre y'a bord qu'on KTM. Pas fais-moi wedjap qu'on manque dans ABM. Nous connecter en toute sécurité qu'on VPN. Yo, parlant mode encore, yo qu'on IBM. Yo, brille les zèbres là, mais on dit c'était l'aime. Baby money au plaqué, moi au doigt K-Walk. G-I-G-N, merci à toi, pas merci J-E-M. Position 1, position 2, position 3, position 4. J'adore, je pourrais t'appeler Mia Mok. Alors, voulez-vous
avec moi, pas en faveur. Prends la position, change pas de position. 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 Baby, pas dit you know an ami, la ni lady. Qui en vivi ni follow me. Position est déterminée, pas ni temps pour dormir. Ou fait qu'on qui change tonalité qu'on doremi. Baby, baby, pas dit you know an ami, la ni lady. Qui en vivi ni follow me. Position est déterminée, pas ni temps pour dormir. Ou fait qu'on qui change tonalité qu'on doremi. Mettez-vous en position. Position. Pour la tradition. Mettez-vous en position. En décision. Combinaison. Mettez-vous en position. Cambrai qu'on fait en transition. Zip sap, quoi, pas qu'on la tradition. Pas peut-être où on y prend décision. Allons faire en combinaison. Position 1, position 2, position 3, position 4. J'adore, je pourrais t'appeler Mia Mon. Alors, voulez-vous avec moi, pas en faveur? Prends la position, change pas de position. 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 Hey, big up Spikey. Cadet Studio. Attache ton câble. Mets-le à l'abri. Ah ouais. Non mais là, je crois qu'ils se disent... Mais on n'en a pas fini. Parce que là, Polytechnaï et Dilova, pour le plein, là. Ça, c'est une belle scène. C'est un beau truc, hein. Ouais. Parce que ce sont des belles voix. Bah, Dilova, elle a de superbes voix. Ouais, ben, moi, je suis fan. Je suis amoureux. Elle a une magnifique voix. Ouais, ouais. Magnifique. En plus elle avait fait une instru, elle avait fait un appro en dancehall, parce qu'elle est capable aussi de faire du dancehall. Ouais, ouais. Elle est capable de faire pas mal de choses, pas mais elle a une voix. Et Polytechnaï, nice, c'est un grand monsieur, là. Popo, c'est Popo, hein. Ça, c'est clair. Mais t'en as fait d'autres, des featuring comme ça. Moi, je les connais. Annonce avec qui t'en as fait. Parce que t'as, y a eu du Kalash, il y a eu d'autres avec des collectifs, il y en a plein d'autres. Il y a eu le morceau avec Kalash, TJ, Mighty Killad, Politique, DVD, tout ça sous le label Scorblaz. Oui, Scorblaz. Il y a eu DJ Ken, donc Holidays 3. Exactement. Tout de suite. Je crois qu'il y a eu que ça. Je crois. Et puis après, les duos avec Féminin, hein, avec le plan Q. Le plan Q, ah, mais ça, c'est duo clip. Duo clip, oui, duo clip, mais en même temps, il y avait ta seule voix, mais en même temps, quand voilà, on voit le clip, on voit vraiment que ça fait comme duo, quand même. Ah, ben oui, faut... Eh ben oui, ça c'est... Ah oui, Bayern Rafale, c'est la suite. Non, je regrette un peu, parce que, mesdames et messieurs, je peux vous donner des titres comme ça, hein. Il peut vous faire un truc déconscient. Vous voyez, il est sur la table, j'étais en physia, c'est ça, en main de choisie. Je vous ferai écouter ça, parce que c'est très sympa, Charlotte et Charlot, entre autres. Et puis, l'album avec ou sans, et le 2 juin, vous aurez des surprises sur scène, en live, avec un orchestre. Il y aura sûrement un DJ, il y aura ses acolytes. On vous en reparlera, on vous fera des petits clins d'œil, on va suivre cet artiste, donc vous allez avoir des choses qui vont glisser tranquillement sur Wanted Radio. Faut prendre le billet depuis Bordeaux. Exactement. Pour venir le 2 juin. Eh oui, mais Scooby Trust, je lui en parlais à Scooby. Eh ben le plein, featuring Polytechnaï, Dilova et Missy Kako, un trio qui vous va vous mettre en feu et en joie, une belle petite ritournelle, tout en douceur. Écoutez encore les paroles, parce qu'avec Missy Kako, il y a toujours les paroles qui sont bien placées. Le plein, Missy Kako, Polytechnaï, Dilova, Mr. Osho. Cha 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 cha. Cha 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 cha. Missy Kako. Cha cha cha. Dilova. Baby. Si je te donne mon cœur, tu en prends soin. J'arrête les bêtises, j'arrête de faire l'ancien. Mono comme il faut et les jaloux restent en chien. La route est longue, arrêtons-nous pour faire le plein. Si je te donne mon cœur, tu en prends soin.
J'arrête les bêtises, j'arrête de faire l'ancien. Aimons-nous comme il faut et les jaloux restent en chien. La route est longue, arrêtons-nous pour faire le plein. Ça te dirait qu'on discute au calme, au gal, autour de bon champagne, champagne. Et te réchauffer dans le foie de Paname, Paname. Depuis le début je suis ton fan. Ne t'étonne pas aujourd'hui si je te demande d'être ma femme. Accompagne-moi en ville ou à la campagne. C'est décidé pour la vie, je veux que tu sois ma compagne, girl. Oh girl, yeah. Si je te donne mon cœur, tu en prends soin. J'arrête les bêtises, j'arrête de faire l'ancien. Aimons-nous comme il faut et les jaloux restent en chien. La route est longue, arrêtons-nous pour faire le plein. Si je te donne mon cœur, tu en prends soin. J'arrête les bêtises, j'arrête de faire l'ancien. Aimons-nous comme il faut et les jaloux restent en chien. La route est longue, arrêtons-nous pour faire le plein. Je voudrais ouvrir les portes, mais si mon cœur se barricade, c'est de peur qu'on le baisse. Et si ton sourire l'emporte, sache que tu devras le traiter avec délicatesse. Je ne ferai pas l'erreur de t'aimer si tu ne suis pas les closes. Et si mes larmes se versent, en assumeras-tu la faute? Je veux bien te donner ta chance, mais faut pas que tu me presses. Il est vrai que chaque prince a droit à sa princesse. Je sais, j'ai mon caractère, mais faut pas que tu stresses. C'est juste que je me protège. Non, non, ne me fais pas de mal, je te donnerai mon cœur. Viser les étoiles pour atteindre le bonheur. Et si tu me blagues, blague, blague, moi je taille, taille, taille. Si je te donne mon cœur, tu en prends soin. J'arrête les bêtises, j'arrête de faire l'ancien. Aimons-nous comme il faut et les jaloux restent en chien. La route est longue, arrêtons-nous pour faire le plein. Si je te donne mon cœur, tu en prends soin. J'arrête les bêtises, j'arrête de faire l'ancien. Aimons-nous comme il faut et les jaloux restent en chien. La route est longue, arrêtons-nous pour faire le plein. Allons jusqu'au bout du monde, allons jusqu'au bout du monde. Je ne laisserai pas la routine nous faire de l'ombre. Devant toi je suis comme devant moi t'es une bombe. Plaisir quand l'union s'éteint jamais tout sera sombre. Je vais assurer. Et si jamais tu doutes je vais te rassurer. En temps de guerre on fumera le calumet. Je garde un œil sur les jaloux s'il faut les allumer. Les allumer. Je vais assurer. Et si jamais tu doutes je vais te rassurer. En temps de guerre on fumera le calumet. Je garde un œil sur les jaloux s'il faut les allumer. Les allumer. Si je te donne mon cœur, tu en prends soin. J'arrête les bêtises, j'arrête de faire l'ancien. Aimons-nous comme il faut et les jaloux restent en chien. La route est longue, arrêtons-nous pour faire le plein. Si je te donne mon cœur, tu en prends soin. J'arrête les bêtises, j'arrête de faire l'ancien. Aimons-nous comme il faut et les jaloux restent en chien. La route est longue, arrêtons-nous pour faire le plein. Eh ben dis donc, hein. Là, on a eu, on a 10 titres, là. On a fait le plein. Hein. Eh ben oui, comme on dit. Et c'est pas fini, parce qu'il y a le tout dernier. C'est non. Un des derniers, Belle Inconnue. Mm-hmm. Là, c'est vrai que l'intro un peu parlé. Après, il y a des jeux de mots encore. On rentre dans plein mal de jeux de mots. Ouais. On dirait un peu les poupées russes qui rentrent, on sort, on sait pas ce qu'il y a dedans. Avec ce up et down tempo que t'as mis. Maintenant, on sait que, mesdames et messieurs, vous avez eu la primeur de savoir que ce ne sera pas la tendance de Missy Kako en 2019, puisqu'il revient de Jamaïque, ça veut dire qu'il va avoir des choses un peu festives. Mais le Bel Inconnu, alors, c'est où que tu as trouvé cette Belle Inconnue, ce texte, cette inspiration que tu as mis en place par rapport à celle-là? Je crois que j'ai vu une Belle Inconnue dans la rue et je sais pas, je me suis dit comment je pourrais l'aborder. Et j'écris le... Parce qu'en fait, le son, c'est un storytelling. C'est-à-dire que le refrain, il est chanté pareil, mais c'est pas du tout les mêmes paroles. Ouais, je vois. Et du coup, le premier refrain, je l'ai trouvé dans les transports. Je crois que j'avais vu une Belle Inconnue et je me suis dit comment l'aborder. Et j'écris. T'as écrit comme ça, tranquillement? J'écris comme ça et par la suite, je le chantais. Et ouais. Puis je me suis dit, autant faire un son qui raconte... Comment j'ai abordé la fille. Ouais. Et ensuite, le premier rendez-vous. Et ouais. Ensuite, pour la vie, enfin, se marier, quoi. Oui, je vois. On va dire une belle histoire d'amour, comme à la télé, quoi. Oui, je vois très bien. Voilà. Voilà. Il fallait commencer par le plan de table et terminer par une Belle Inconnue. Voilà. Comme ça, ils se sont dit, voilà, le dessert, exactement. Ils ont commencé par boire un verre et après, voilà, il y a tout ce qui se passe. Voilà. Et après, ça finit... Comme un Walt Disney, à la sauce Missy Kako, mesdames et messieurs. Ah ben oui. C'est à la sauce Missy Kako. Missy Kako,
Merci d'être passé dans le Bistro Show. C'est moi qui te remercie. Avec plaisir. Donc, nous nous retrouvons le 2 juin. Le 2 juin, à la salle Les Étoiles. Oui. Faut venir. Ça va être bien. Concert live. Il y aura pas mal d'invités. Donc, faut venir. Et puis, faut pas oublier, vous pouvez trouver dans toutes les bonnes crèmeries, comme je dis toujours, achetez pas Graveil, tout ce que vous avez entendu. Et Marie Kucha va vous enchanter dans l'année 2019. Et il y aura des surprises qui vont vous aller allègrement durant 2020. Et puis, veillez au carnaval juillet 2019 à Paris. Il se peut que Missy Gago soit pas loin. Voilà. D'accord. Donc, comme dit l'inspiration. Exactement. Et comme dit toujours, la parole est à la musique, alors je me tais. Je vous remercie Scooby Trust, Roméo toi-même, tu sais. Wanted Radio va continuer jusqu'à minuit la musique caraïbéenne. Mister Ophio s'achève avec la belle inconnue. Je vous embrasse tous et toutes. À très vite. Bonjour. Bonjour, excusez-moi. Excusez-moi. Mademoiselle. Yeah. Mademoiselle. Belle jolie femme, avez-vous 2 minutes à m'accorder? Je ne pouvais pas vous laisser vous en aller sans vous aborder. Votre sourire m'a absorbé. Je ne sais pas trop comment me comporter, car vous semblez débordé. Mais marchons quelques minutes ensemble histoire de papoter. Laissons le destin nous escorter. Mais comment vous appelez-vous? Vous faites quoi dans la vie? Parlez-moi de vous. Je suis timide, je vous l'avoue. Vous semblez si spécial, ça me donne envie de vous découvrir. Donc serait-il possible d'avoir votre numéro de téléphone pour un petit rendez-vous? Faites pas la difficile, vous êtes cerné, donc rendez-vous. Belle jolie femme, avez-vous une journée à m'accorder? Je ne pouvais pas vous laisser tout un mois sans vous contacter. Votre sourire occupe mes pensées. Je sais quoi faire pour décompresser, car vous semblez si stressé. Alors rejoignez-moi pour un moment de complicité. Laissons le destin nous escorter. Je vous regarde et vous baissez la garde. Vous n'allez point tomber, je vous servirai de rambarde. Ma main prend la vôtre comme les enfants rangés deux par deux. Y'a de l'amour dans l'air, nos lèvres ne vont pas tarder. Je vous veux et je veux surtout vous garder. Vous l'avez ressenti, vous l'avez remarqué. Laissez-vous embarquer dans votre cœur, je veux marquer. Ne faites pas comme eux, croyez en l'amour, croyez en moi, en ma sincérité. Ne faites pas comme eux, croyez en l'amour, croyez en moi, en ma sincérité. Ne faites pas comme eux, croyez en l'amour, croyez en moi, en ma sincérité. Hey, hey. Belle jolie femme, avez-vous toute une vie à m'accorder? Je ne pouvais pas vous laisser partir ni m'échapper. J'aime votre sourire depuis qu'on s'est rencontrés. Je ne sais pas trop comment vous le demander, car vous semblez ne plus croire au conte de fées. Mais vous, je vous aime, vous, donc voulez-vous m'épouser? Belle jolie femme, belle jolie femme, belle jolie femme. Belle jolie femme, belle jolie femme. Belle jolie femme, avez-vous 2 minutes à m'accorder? Je ne pouvais pas vous laisser vous en aller sans vous aborder. Votre sourire m'a absorbé. Je ne sais pas trop comment me comporter, car vous semblez débordé. Mais marchons quelques minutes ensemble histoire de papoter. Laissons le destin nous escorter. Mystéro, hey, Mystéro, say, a man, man, okay. Mystéro, ha, Mystéro, hey, Mystéro, oh, oh, show. Mystéro, hey, a man, man, okay. Mystéro, hey, a man, man, okay. Mystéro, hey, a man, man, okay. Mystéro, hey, a man, man, okay.